On se retrouve à 9 mètres du drapeau, à 2 mètres de l'entrée du green. Et là, je me demande quel club utiliser, quel coup faire. Quand on arrive dans ce type de situation, on va déjà déterminer le club que l'on a envie d'utiliser pour faire décoller cette balle-là. Je vous conseille de prendre un sand wedge entre 50 degrés et 56 degrés. Ne prenez pas au-delà, 58, 60, ça devient plus des lob wedge pour faire monter énormément la balle. Là, on veut juste la faire décoller un petit peu pour qu'elle atterrisse sur le green. Donc, je vais prendre un 56 degrés et faire les ajustements nécessaires afin de pouvoir contacter correctement cette balle-là. Aujourd'hui, on va s'intéresser au contact, au wedging. Maintenant, on va s'intéresser au statique. Le statique, on va regarder la largeur de vos pieds. La largeur de vos pieds, donc la largeur de votre stance, doit être étroite, correspondant à une tête de club. Ensuite, vous placez la balle parfaitement entre vos deux pieds, bien placée au centre. On a trouvé les ajustements nécessaires au niveau du placement de la balle, au niveau de vos pieds. Maintenant, on va placer le club derrière la balle en le plaçant sur l'intégralité du bounce. Le bounce étant la partie inférieure que l'on retrouve sous le club, qui est assez large, qui est assez épaisse, où l'intégralité du club doit reposer quand on le met derrière la balle. Au niveau du placement de vos mains, on les place à peu près à la moitié du club. Et au niveau du club et de la distance, ne vous éloignez pas trop, c'est un mouvement assez court, où il faut avoir énormément de contrôle, donc n'ayez pas peur de vous rapprocher un petit peu du club, mais pas trop. Quand vous avez placé votre club derrière votre balle, donc vous prenez votre grip neutre, vous descendez vos mains au centre du club, vous placez vos grips neutres avec vos doigts qui soient dans le prolongement de la marque de votre club. Une fois que vous avez trouvé ce grip neutre, ce qui va être important, ça va être de voir la répartition du poids au wedging. La répartition du poids se situe à 80% sur la jambe avant et pas sur la jambe arrière. Pourquoi sur la jambe avant? Pour créer ce qu'on appelle de la verticalité, que le club descende sur la balle pour justement favoriser ce très bon contact. Pour amener votre poids sur la jambe gauche, il va être important de travailler avec votre sternum. Le sternum étant le milieu de votre poitrine. Là, vous l'avez face à la balle et je vous invite à le placer devant la balle. Là, voilà. Vous voyez que le fait de décaler devant la balle, je retrouve mon poids qui vient à gauche. Si je le mets au centre, il est réparti sur les deux pieds. Si je le mets derrière, il est parti à droite, là au centre et là devant. Donc là, j'ai bien mes 80% au niveau de mon poids. Une fois que j'ai trouvé les 80% de mon poids sur la jambe avant, il va être important de vérifier ses épaules. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand vous amenez votre poids sur le devant de votre pied, souvent, je vois des joueurs qui se retrouvent beaucoup en arrière avec le haut du corps. Et là, on voit clairement que mes épaules vont dans le sens du ciel, de la montée, et c'est ce qui va vous amener des tops ou de cueillir la balle et d'avoir un mauvais contact. Donc faites attention à vos épaules. Répartissez votre poids sur le devant en déplaçant votre sternum. Et le petit exercice pour trouver votre épaule gauche qui soit égale à l'épaule droite ou légèrement un peu plus basse, il va falloir descendre votre main le long de votre jambe. Voilà, et on voit clairement que ça baisse mon épaule gauche. Quand j'ai baissé mon épaule gauche, je viens prendre mon grip simplement. Et là, on voit que mes épaules sont au même niveau. Et là, c'est très important pour créer de la verticalité et que votre club puisse descendre jusqu'à cette balle. On va maintenant parler du fonctionnement du club et des mains lors de la montée et lors de la traversée. Une fois que vous avez fait tous les ajustements nécessaires, vous placez le club neutre face à vous, face à votre nombril ou légèrement dans l'aine, mais ne décalez pas votre club complètement devant. Sinon, vous allez refermer la face de club et vous aurez beaucoup d'erreurs qui vont se produire. L'idée, c'est d'amener de la verticalité dans votre mouvement, c'est-à-dire amener votre club à descendre sur cette balle-là et pas venir justement à cueillir cette balle-là. Donc, ce qui est important, c'est de regarder un petit peu comment fonctionne la main gauche lors de la montée. On regarde, on voit que le dos de ma main gauche vient regarder le sol, d'accord? Donc ça fait une face de club qui est légèrement un petit peu fermée, mais quand elle va revenir et que les mains vont se replacer, ma face de club va être square. Et à partir de là, quand vous avez frappé votre balle, votre mouvement continue. Ce qui est important, c'est ici de fonctionner beaucoup plus avec le haut du corps que de fonctionner avec le bas. Bien sûr qu'il y a un accompagnement une fois la frappe faite jusqu'à la cible. Mais ce qui est important, c'est de travailler beaucoup plus avec le haut du corps et de travailler avec cette partie-là qui représente un triangle et une certaine symétrie quand vous montez. On voit que là j'ai une certaine symétrie et que le dos de ma main gauche vient bien pointer vers le bas et que mon club glisse sur le sol. Et là que j'accompagne bien mon mouvement. Je me concentre sur le contact uniquement. Voilà.
Continuez à vous exercer, à travailler sur le contact, travaillez vos ajustements, faites attention à vos épaules, faites attention à votre sternum, faites attention à votre poids. Vérifiez bien qu'à la fin, votre mouvement est bien tenu, qu'on se retrouve vraiment bien dans cette position-là et pas on se retrouver avec un club qui est beaucoup trop haut ici. Ça ne veut absolument rien dire. Un petit mouvement qui monte jusqu'ici ne se retrouve pas avec des mains qui monte jusqu'en haut. Ce qui est très important, c'est cette fameuse symétrie où je tourne et je retrouve exactement la même chose ici. Vous pouvez même libérer un petit peu ce pied-là, si certains ont du mal à tourner, ou vous pouvez aussi également ouvrir légèrement votre pied gauche pour favoriser cette rotation. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le petit j'aime de la vidéo. Pensez à vous abonner pour recevoir régulièrement les vidéos. Pensez à aller consulter le site pour justement mettre en relation, par exemple là, le grip note, vous pouvez le retrouver dans les fondamentaux. Essayez de comprendre, vous avez les photos, les descriptifs et les vidéos. Et à partir de là, vous allez pouvoir essayer de faire évoluer un petit peu votre swing.